Lecture. Mon premier voyage en avion. L'objectif de cette leçon, c'est lire un récit de voyage. J'observe les images et je lis les légendes pour mieux comprendre le texte. Dans la première image, je vois un avion qui décolle. Je dis, l'avion décolle. La deuxième image, l'avion survole le désert. Troisième image, le passager a attaché sa ceinture de sécurité. Mon premier voyage en avion. L'avion devait décoller à 10h30. Les réacteurs sifflaient déjà. J'étais seul. J'avais le cœur serré. Mais je ne regrettais pas d'avoir fait ce voyage. Peu avant le décollage, quand l'hôtesse de l'air recommanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité, j'étais inquiet. Mais dès que l'avion a pris l'air aussi stable qu'une voiture sur une autoroute, je soupirais et un moment plus tard, lorsque le steward apporta les plateaux pour le déjeuner. J'ai trouvé follement amusant ce pique-nique dans les airs que j'ai mangé de bon appétit tout ce qu'on a me servi. D'après un texte de Paul-Jacques Bonzon, Ahmed et Magali, livre de lecture suivi. Sème de la grave. Je vois l'image. Le steward apporte le déjeuner. L'enfant n'a plus peur. Il mange de bon appétit. L'hôtesse de l'air lui parle et le rassure. Je lis le texte plusieurs fois et je réponds aux questions. De quoi parle le texte? À quelle heure l'avion devait-il décoller? Que demande l'hôtesse de l'air aux passagers? Comment était le narrateur au début? Qu'a fait le steward? Le narrateur avait-il toujours peur? Comment a-t-il mangé? J'anticipe, je relève tous les mots qui se rapportent à l'aviation, au repas. Je raconte à mon tour. Est-ce qu'il t'est arrivé de vivre une aventure pareille à celle de narrateur? Rédige un petit texte pour le lire. Montre-le à quelqu'un de la famille. Ou envoie-le, si c'est possible, par email à ton professeur pour le corriger et te le rendre.